Festival de Lumière. Un voyage extraordinaire dans la ville. 82 jours de programmation, 500 rendez-vous culturels, 300 artistes. Bienvenue dans Constellation. La foule, l'attente, un compte à rebours, choisir sa place, car tout recommence. Bonsoir et bienvenue à Metz. Metz dont le cœur va battre tout l'été au rythme de Constellation. Vous l'avez vu, les places de la ville sont pleines, les terrasses sont bondées. En un mot, les gens sont heureux. Pour cette deuxième édition, nous allons vous emmener absolument partout dans la ville, de nuit comme de jour. Au programme, des concerts, des spectacles, des parcours artistiques, des expositions. Ça commence tout de suite avec une projection sur la cathédrale de Metz. Excellent voyage dans Constellation. Un poème visuel à l'échelle d'une cathédrale. Alter Lux Animae. Pour cette deuxième édition, le mapping architectural de Yann Nguema transporte le public encore plus loin. Dans un voyage au cœur de la matière et de la lumière. Quatre tableaux se succèdent, portés par la musique du groupe Ézéchiel. Et plus rien n'existe que la magie d'un instant unique et singulier. Travail d'éclairage, pierres en mouvement, figures historiques et au final, vision futuriste d'une cathédrale qui se projette dans l'infini. Tout à coup, le Graouli, le dragon messin de la légende, apparaît. Peut-être n'a-t-il jamais été aussi vivant d'ailleurs. Il plane comme jadis au-dessus de la foule, monstre semant l'épouvante et la terreur. On dit de lui qu'aucune arme ne pouvait percer les écailles et que rien ni personne ne l'effrayait, hormis l'eau dont il n'approchait jamais. Le Graouli, terrassé par Saint Clément, évêque de Metz, disparaît comme les autres chimères. La magie opère, chaque pierre de la cathédrale a été dessinée, une à une, trait après trait, afin que l'artiste puisse jouer avec chacune d'entre elles, la mettre en mouvement, la déformer. Alors, tout devient possible. La cathédrale est vivante, elle se déconstruit pour mieux se reconstruire. Elle nous projette dans une vision futuriste où tous nos repères disparaissent. Cinq mois de travail ont été nécessaires pour cette réalisation unique, visible seulement ici, depuis le parvis de la cathédrale. Après 15 minutes d'immersion totale, le public est définitivement conquis. Vous avez trouvé ça comment ? Oh, magnifique. Encore plus beau que l'année dernière. C'était possible d'être encore mieux ? Encore mieux que l'année dernière, oui. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce spectacle ? Les lumières, le changement, il y a une impression de... Je sais pas, ça...
ça tombe. Enfin, d'où on était, on avait l'impression que la cathédrale allait nous tomber dessus un petit peu. C'est super bien fait. Nous laissons à présent la cathédrale pour nous rendre sur les autres lieux de Constellation. Au bout d'un jardin qu'on dit d'amour, une œuvre se reflète dans l'eau. Nous sommes à présent derrière le Temple Neuf. C'est ici que Nicola Paolozzi a choisi de poser un diamant brut, fait de lumière et d'acier. Quartz, c'est son nom, est un hommage aux tailleurs de pierre qui ont façonné Metz tout au long des siècles. La pierre et la lumière, un dialogue entre l'immémorial et l'éphémère, c'est peut-être d'ailleurs la meilleure définition de ces constellations messines qui invitent si bien à la rêverie, dans des lieux maintes et maintes fois traversés et dont on avait peut-être oublié la beauté. Alors on fait une pause, on prend la pause, et la ville nous captive, au détour de figures insolites. Sur la terrasse d'un opéra-théâtre du 18e, des hommes debout répondent à des portraits géants au réalisme saisissant. C'est l'histoire d'un artiste parisien, Julien Nonon, tombé amoureux de Metz et surtout de sa jeunesse. Un amour qui se traduit par ses portraits projetés sur les murs de la ville et qui mettent en lumière l'ADN de toute une génération. Ces personnages naissent souvent de captations que je prends de personnages dans la rue parce que en fait j'aime bien analyser c'est des fois des attitudes, j'aime bien capturer des looks et en fait ce que je fais souvent c'est que j'utilise mon téléphone comme tout le monde et je prends des photos et après ensuite je mixe ces attitudes avec des visages, avec des fois des lèvres, des morceaux, des petits détails de visage et j'essaye de recréer mes personnages et après justement je le redessine avec ma tablette graphique pour leur donner ce côté très saturé et aussi très graphique. C'est un lieu unique à Metz et c'est un des rendez-vous phares de Constellation. Quand le musée de la Cour d'Or et ses trésors inspirent un collectif d'artistes alsaciens, cela donne Bestiaire Céleste et c'est magique. Au bout de l'entrée, la montée de l'escalier que surplombe un lustre monumental entraîne les visiteurs aux confins d'un voyage dans l'espace. Projetées sur la voûte, les constellations du zodiaque, puis tous les animaux d'un bestiaire chimérique découverts par les artistes du collectif parmi les pièces maîtresses du musée. Là, couchés, allongés à même le sol ou sur des coussins, nos voyageurs de l'espace se laissent emporter vers cette voûte qui s'ouvre alors jusqu'à disparaître. Le pixel, unité minimale de l'image numérique, est travaillé ici comme un matériau d'architecture par les artistes, repoussant toutes les limites, toutes les contraintes du bâtiment. Le projet, c'était d'amener le public à travers cette ascension, cet escalier, la présence de cet objet, et puis de le magnifier en transformant ces voûtes en quelque chose d'infini. On ne contient pas l'architecture, on la projette dans l'espace. C'est un voyage. C'est un voyage dans l'univers, on se laisse emporter et c'est dépaysant, c'est très agréable. Je viens de me rendre compte que je comprends d'où vient le nom Constellation en regardant justement cette projection. C'est très relaxant, je trouve, c'est décontractant. Ça fait quelque part, ça fait voyager l'esprit, oui, bien sûr. Oui. «
Bonsoir à celle de Cadir. Bonsoir. Pardonnez-moi, je suis en retard. Il y a tellement de choses à voir, c'est impressionnant, Metz. Écoutez, on a une ville qui mise beaucoup sur la culture, des institutions culturelles prestigieuses comme la Cité Musicale, le Centre Pompidou, et on a voulu un grand festival d'été qui met en scène en effet ce patrimoine sous le regard des artistes, à la fois messins mais aussi invités, et puis qui se tourne vers l'extérieur, qui invite les touristes, les visiteurs à venir partager Metz, vivre Metz avec nous. Alors, 600 000 visiteurs l'année dernière pour la première édition. Cette année, vous visez la marche au-dessus encore, vous allez encore plus loin. Oui, l'édition 2018 est beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus riche avec ses parcours artistiques, avec une offre autour des arts numériques qui a été renforcée. Est-ce qu'une manifestation comme Constellation, ce grand festival de l'été, concourt à transformer la ville? Oui, depuis 10 ans, on a travaillé avec cette idée que la culture peut être au cœur d'un projet de ville, que la culture peut faire ville ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle nous permet de nous positionner comme une capitale culturelle du Grand Est, et puis je peux le dire au plan national, parce que peu de villes mettent en scène un festival aussi long, aussi ambitieux, aussi riche autour des arts numériques, avec de nombreux artistes, plus de 300 artistes. Et cette ambition-là, elle commence à marquer ses points et à se positionner sur la carte de France. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous touche le plus dans tout ce qui est offert au public ? Objectivement, c'est l'ambiance de la ville, c'est-à-dire une ville que l'on ressent différemment, que l'on vit différemment. Une ville en fête, tout simplement. Et c'est ça qui me touche le plus. Et puis, il y a des œuvres magnifiques qui nous transportent, je pense, ici, à côté, avec ces bateaux, cette œuvre voyage qui est très poétique et qui donne un autre regard sur la Moselle et sur cette partie de la ville de Metz. Alors, on se retrouvera l'année prochaine. Sans faute. À Metz, vous l'avez vu, la nuit appartient aux arts numériques, entre autres. Mais Constellation, c'est aussi tout un programme à savourer le jour. Entre street art, installation, exposition, la ville devient une immense œuvre d'art. Vitaly, Feder, exposition Thomas Pesquet, mais c'est génial. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le faire à vélo. Je vous emmène ? À pied, en bus ou à vélo comme Brice, il suffit de suivre la ligne et Constellation nous emmène sur ses nombreux parcours artistiques. Bonjour. Bonjour. C'est bien le parcours Chad ici. Tout à fait. Ouais. Et la suite du parcours, c'est... Et la suite, vous continuez par là. Ok, bah merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Autant de découvertes et de belles rencontres. Laissant nos touristes parisiennes, Brice poursuit son chemin qui passe par la porte des Allemands. Il y croise d'ailleurs Robert Schad en personne. Le sculpteur expose sur ce parcours qui porte son nom 18 œuvres de métal. Mais pour Brice, la balade ne fait que commencer. Nous sommes ici dans la basilique Saint-Vincent, qui a été désacralisée, qui sert aujourd'hui de lieu culturel. Un collectif de 10 artistes est venu exposer leurs œuvres dans ce lieu. Allons le découvrir ensemble. La basilique Saint-Vincent et ses proportions impressionnantes. Elle était d'ailleurs le deuxième plus grand édifice religieux de Metz après la cathédrale. Elle propose ici un dialogue entre les artistes des temps passés et le street art. Le long du parcours dédié au street art, nous sommes maintenant devant Pictor. Pictor, un clin d'œil en référence à la constellation du peintre, ou plus précisément de l'univers des graffeurs. Sur ce mur de 12 mètres de long, deux œuvres se créent en simultané. Deux phases, comme l'on dit, et deux styles. Slide to, côté face, et le skull, côté pile. Donc dis-moi, le skull, t'as mis combien de temps à faire ce graphe ?
Bah là, j'ai commencé hier tranquillement. Je suis un peu en retard, mais là, j'en ai encore pour au moins 2 jours à venir. Il y a d'autres artistes qui vont passer après toi, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est un mur qu'on a mis en place avec notre association. Et le but du jeu, c'est de faire intervenir plein d'artistes différents tout au long de l'été, avec la durée de Constellation. Tu crois que je peux baptiser un petit peu ton graphe? Bah ouais, vas-y, si tu veux. Si tu me veux faire un mur, vas-y. Ouais, pas de soucis. Ouais, c'est bien ça. Bah, merci bien, écoute. Hein. Bah, de rien, tu me rends ma bombe. Je te rends ta bombe, tiens. Merci. Après Los Angeles, Paris ou Mexico, l'artiste franco-vénézuélien Carlos Cruz Diez investit pour Constellation le parvis des droits de l'homme qui mène tout droit au centre Pompidou-Metz. Et en France, c'est la première fois depuis 30 ans que le pape du street art propose une de ses œuvres dans l'espace public. Avec environnement chromatique, le public est à la fois témoin et acteur d'un spectacle qui se déploie au gré de ses propres déplacements. Rencontre avec un géant dont le génie n'a d'égal que l'humilité. Là, c'est une profession de patience. Il faut beaucoup de patience. Et parfois, c'est une profession sans espoir. Parce qu'on peut passer toute la vie embarqué dans une aventure qui, à la fin, n'aboutit à rien. Comme un scientifique. Un scientifique peut passer toute sa vie dans son recherche et, à la fin, n'aboutit à rien. C'est la beauté, la grande beauté de l'art. Le Festival des Constellations, c'est pas que des parcours artistiques et culturels, c'est aussi des concerts. On a rendez-vous maintenant avec Vitalik et Feder. Allez, suivez-moi. Depuis 2013, Feder s'est imposé comme un des DJ qui compte sur la scène électronique. Tout le monde ! L'auteur de Goodbye ou de Braids, téléchargé des millions de fois, est une étoile de Constellations. Ce soir, c'est une scène un petit peu particulière pour toi. Ouais, là c'est cool. C'est cool, je découvre aussi le centre-ville. Là, tu vois, je me suis un peu baladé tout à l'heure. Mais c'est une très très belle ville, vraiment belle surprise. Et voilà, on a des beaux artistes en plus ce soir. Je vois que la foule, elle est en train de se remplir, ils sont en train de se chauffer, tu vois. Donc voilà, je commence à minuit, j'ai hâte, tu vois. Yo, yo, bonsoir, mec! Un DJ, à l'instar d'un rappeur ou d'un chanteur, qu'est-ce qu'il apporte de plus sur une scène? C'est particulier, il a pas de micro, il a un micro, tu vois, mais comme un rappeur, tu vois, un rappeur, il chante et tout. Le DJ, lui, va faire travailler l'émotion et l'énergie avec ses musiques, avec des edits, avec des choses un peu exclusives. Les gens ont l'habitude d'entendre quelque chose à la radio, tu vois. Et quand tu arrives sur scène, faut que tu présentes autre chose. Je trouve que c'est ça l'intérêt. Il va présenter une sélection qui est pas la sienne des fois, enfin, qui n'est pas tout le temps sa musique, donc il va présenter des touches de musique qu'il aime bien, il va les retravailler à sa manière. Ça, c'est le boulot du DJ, tu vois, et c'est comme ça que tu es touché. Il peut retravailler un vieux classique que toi t'aimes, et du coup, il va te le mettre version en mode électro. C'est tout ce truc-là que le DJ aime faire. Voilà, moi, c'est ce que je peux faire aussi. Donc, l'idée, c'est d'avoir chacun à sa place. Tu vois. Le rappeur, il a des choses à dire, le DJ, il a des choses à dire. Merci beaucoup, Feder. Lui connaît très bien Metz. Depuis 20 ans, Vitalik explore la musique électro de sa patte inimitable. Rencontre juste
avant le concert. Deuxième interview musicale avec Vitalik. Bonsoir Vitalik. Salut. Est-ce que c'est la première fois que tu viens de produire à Metz, Vitalik ? Non, c'est pas du tout la première fois. Je viens de Dijon, ce qui est quand même dans l'Est, et j'ai fait mes premières armes un peu entre Dijon, Metz et Nancy, donc je connais bien. Et le Festival des Constellations, est-ce que c'est quelque chose qui te parlait avant de venir ce soir ? Alors le nom, oui, par contre c'est la première fois que j'y joue. Oui. Tu t'es produit où à Metz avant la place République ? Il y avait un club qui s'appelait l'Araignée au plafond, je sais pas si ça parle. Pas du tout. Parce que t'es trop jeune. Et je suis trop vieux. Mais voilà, c'était ça, c'était un peu mon repère à Metz à l'époque. Tu sais, j'ai commencé à l'Araignée au plafond, c'était un petit club. Franchement, c'était les débuts, c'est toujours un petit peu difficile et tout. C'est assez cool de revenir comme ça, un peu dans ce format-là avec le gros show. Il y a 20 ans qui ont passé, mais ça valait le coup. Est-ce qu'on se prépare différemment à un concert gratuit qu'à un concert où les gens viennent vraiment pour toi ? C'est pas un festival électro ou un festival rock ou... Quand c'est un festival comme ça, ouvert à tout le monde dans la ville, il y a les enfants, il y a les parents, les plus vieux, tout ça, ça fait un mélange, c'est et plus compliqué et en même temps très gratifiant. Constellation s'achève pour ce soir. J'espère que vous avez aimé ce voyage, qu'il vous a fait rêver. Vous pourrez revoir cette émission sur notre chaîne YouTube. Et pour ceux d'entre vous qui voudraient venir à Metz, Constellation, c'est jusqu'au 16 septembre. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. C'est un grand DJ, quoi. Il passe à Tomorrowland, quoi. Et là, il vient à Metz, donc c'est trop bien. Un DJ de légende en concert gratuit à Metz, c'est génial. À la République de Metz, c'est la meilleure ville. C'est super sympa, le site est sympa. Merci Metz. On adore, c'est de la super musique là, on s'amuse à mort. On passe une bonne soirée.